distance pas mal, mais ça change par rapport au minimum. Ah non, un jeu en fait, plus tu joues, plus tu aimes ça quoi. Aussi, oui. Plus on y joue, plus on a envie d'y jouer. Ça, c'est très différent des autres jeux, souvent. Souvent, plus on y joue, plus ça lasse. Certains autres jeux qui viennent de sortir. Ouais. Et donc là, tiens, on voit les pierres. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les pierres du destin, truc comme ça. Donc ça remplace en gros ce qu'on pouvait faire dans Oblivion au tout début. Vous pouvez choisir, vous voyez dans les constellations, tout ça, je sais plus ce que c'est, un truc comme ça. Donc là on les a, mais on peut en choisir n'importe laquelle. On peut choisir n'importe laquelle dans le jeu, ils sont mises dans le jeu. Dans le terrain. Donc là par exemple, c'est laquelle que j'ai. C'est la première, non? Ouais, c'est les c'est là. Donc plus 100 en partage, donc ça c'est en portage. Donc, combien on peut porter d'objets en plus. Et pas de pénalité d'encombrement liée à l'armure. Moi, pour l'instant, je trouvais que c'était la meilleure. Toi aussi, en vrai, t'as vu celle-là. Donc là, on peut voir, c'est pas trop modélisé là où je suis. Normalement, il y a plein de choses ici. En dehors. On ira voir tout à l'heure, après. Allez, venez là-haut. Attends, je vais essayer de faire un truc marrant. Un truc amusant avec la physique. On va y aller voir. Donc là, il y a toujours l'autre. Cette simple idée est insupportable à nos souverains elfiques. Ouais, voilà. Il est relou, lui. Hein. Vous pouvez le tuer, d'ailleurs. Monsieur qui parle de Talos. Donc Talos, oui, qui n'est plus un dieu depuis, je sais pas depuis quand exactement, mais en tout cas après Oblivion. Depuis le prêté de l'ordre, non? Ouais, je sais pas quelle année. Mais... Ouais, donc là c'est la quatrième ère aussi, hein. après Oblivion, ça est passé en quatrième ère. Donc t'es dans la troisième dans Oblivion. Et donc là c'est la quatrième en 201, je crois. Ça va être ça. Alors là c'est le palais. Les objets sont bien foutus aussi. Ouais, les objets. On peut la regarder de près et tout. Voilà, donc si vous voyez une table comme ça, la seule chose que vous avez envie de faire c'est ça. Hop, tout faire baisser. Ça c'est drôle. Putain, je vais essayer d'aller en prison, j'ai jamais été en prison. Et normalement je crois que quand t'es en prison tu perds tes compétences. Enfin tu les perds pas mais... Je vais essayer d'aller en prison, donc pour la première fois je vais en prison. Oui, parce que normalement je soudoyais les gardes. Voilà, on sait pas ce que... Moi je l'ai vu perso, mais après toi c'est comme tu veux. Voilà. Est-ce qu'on peut crocheter? Ah oui, on peut crocheter. Bon, il y a un crochet. Faut pas se rater, hein. Comme on dit. Un crochet. On peut aussi casser la ligne ici, d'accord. Ok, c'est un peu facilité. On va essayer d'ouvrir celle-là, ça a l'air plus marrant. Hop. Ouh. Ouais, c'est le jeu où tu sauvegardes tout le temps, quoi. Ah oui, ça, il sauvegarde. Mais... ça, on sauvegarde tout le temps. Il faudrait qu'il y ait un... des écrans, à chaque fois, en plus. Il faudrait qu'il y ait une truc de sauvegarde automatique qu'on puisse sur un bouton, quoi. C'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de temps, hein, LV et tout. À faire ça, hop, sauvegarder tout ça. Quand on y pense. Ouais. Donc, tout ça, hop, si vous voulez voir un peu ce qu'il y a pu faire, ce qu'on a pu faire, quête. Quête accomplie 65. Quête d'hiver accomplie 74. On a vraiment beaucoup de courant. Là on est vraiment au tout début, j'ai dû faire 5-6 missions de la quête principale. Le reste c'est que de l'hiver. Hop, non. Je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Je suis en mode prisonnier. Ouais. Je suis en prisonnier. Surtout qu'il va y avoir un succès, je crois, quand on s'échappe de la prison. Non, c'est rigolo d'ailleurs. Je vais peut-être gagner un succès, ça va être génial. En direct. Et voilà.
Que pouvons-nous dire d'autre? Oui, donc il y a toujours guilde des mages, guilde des voleurs, guilde des guerriers, hein, confrérie noire. Toujours ça. Il m'arrête même pas, lui, il s'en fout. J'arrive chez lui tranquille, en mode prisonnier. Bon, hop. Les bandes sont aussi trop stylés. Ouais, les musiques, ils sont vraiment énormes. Il y en a, je sais plus combien, il y en a près de 200 musiques différentes. Il y en a pour les tavernes, quand on va dans les grottes, tout ça, contre les dragons. Il y en a vraiment tout le temps, tout type. Ça, c'est. Ouais, c'est Isgramor, ça. Récupère sa hache, qui est pas terrible d'ailleurs, mais... on récupère quand même sa hache. Allez, hop. Là j'ai plus rien, c'est pas drôle. Je vais me battre avec les poules. Allez, je vais recharger un petit coup, hop. On va essayer d'aller voir un dragon, tiens. Un petit dragon. Hop, hop, hop. Donc oui, il y a beaucoup de aussi, cavernes, tout ça. Elles sont vraiment très grandes, toutes différentes, malgré quelques pièces ressemblantes. Hein. L'eau aussi est assez bien faite, hein, en tout cas de loin. Après, c'est sûr, quelques endroits où c'est moche. Hein. Tout comme les textures des fois. De loin ça va, mais quand on regarde de près, c'est vraiment. c'est très laid. Certaines textures de près, elles font un peu peur. Pourquoi ouais. Elles sont pas toujours HD, quoi. On va essayer de tuer ce dragon, on va se balader un petit peu. À partir de là,